Yo tout le monde! Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Alors, on va voir si je suis toujours un peu rouillé. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, deux en une, on va dire. Voilà. Je fais une petite session enduro par chez moi. Donc là, je suis sur un spot, il y a un peu de tout. Il y a des pistes un peu des freerides, etc. Enduro. La deuxième partie de vidéo, ce sera pas dans ma région, en Normandie, ce sera dans les Vosges. On va aller faire de l'enduro, on va trouver des petites traces sympas. Voilà, donc c'est pour ça, je me réchauffe un peu et puis. On va rôder les petites plaquettes des freins parce que ben c'est tout neuf, mon José. Et puis du coup, ça a besoin d'être rodé. Hein. Là, j'ai mis ça. On sait jamais. Parce que bon, on est en Normandie, là il fait 38 000 degrés là, mais bon, voilà, des fois il fait moins 8 000 et il pleut et c'est gras et on a de la boue dans les yeux. Bon, bah, trêve de blabla, et puis bah, on va partir sur des petites sessions. Je vais voir un peu. Bah, de toute façon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, allez, je vous laisse sur le gros plan d'un bousier. Oh, qu'il est mignon, roulé en boue, lui, le petit pépère. Allez, on avance. Merde, passage dans le haut, il est trop cool. Les rollers, un virage. Ouais, les sacs d'essouille. Un peu sec. Hop, c'est bien, on tire un petit peu nid. Là, on va faire une petite série de pistes. Le freeride. On va chercher. Hop. Ouais, l'autre piste repart par là. Mais on n'est pas obligé. Eh ben c'est plutôt fun. Ben, les petits freins et le rodage, je pense que j'ai pas trop mal fait ça moi juste avant. Bon, on va se la refaire. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. J'ai dégagé les petits virages où c'est glissouillé. C'est parti. Ah ouais, c'est quand même mieux quand on d'ailleurs lève la merde. Avec des jambes qui chouillent plus vite. Un peu plus confiant déjà. Ah ouais, c'est smooth là. Hop. Alors là, j'ai récupéré mon sac à dos. Je vais m'éloigner un petit peu. Je vais faire. Il y a deux pistes d'enduro, une par ici et une sur l'autre versant du spot. Donc, prendre mon sac à dos, on sait jamais. Bon bah là je suis au départ de l'enduro. Enduro qui part sur la. Là, le spot est comme ça, ouais. La pente est comme ça. Il part par ici. Il y en a un autre qui partira de l'autre côté, de là où je suis parti tout à l'heure pour la première petite piste. Donc on ira le faire juste après. Ah c'est là. Attends, ça commence bien. Attends, je suis vraiment blond parce que je viens de la faire à pied. Et je retiens même pas où ça passe. Bon, cette fois-ci on se trompe pas dès le premier virage. Allez. Voilà, le bon c'est à droite. Et là, la partie qui monte, faut pédaler comme en débile. Ah, il est légèrement en débile. Voilà. Travers des sapins, des sapins des arbres. Un petit remonté. Pas trop, hein. On connaît du monde les gars. Ça humide, ça doit être bien tech. Ah ici. Et là on retrouve une piste. C'est un peu tout tracé, oula, ça glissouille. Voilà. Qui nous amène en bas du spot. Et voilà. Alors je vais pas plus loin parce que là on descend sur la route. J'ai pas envie de tomber en farcière, sachant qu'il faut que j'en rentre par là. Ah, bon bah on s'en retrouve en haut. J'ai dégagé un petit peu la première partie là. J'aime bien faire un petit pif paf là. Puis après j'irai sur l'enduro, l'autre deuxième enduro.
Ouais, j'aime bien ces passages-là, c'est rigolo, c'est fun. C'est de travers, c'est la petite, c'est la petite technique sympa. C'est quoi ? Sans trop mettre les freins. Yeah, c'est déjà mieux. Ah yes. Ah oui. Bon, allez, cette fois-ci, je pars sur l'enduro parce que si ça continue, j'ai jamais y aller. Zou ! La première crash que je fais, là on se là. Sur la gauche, sur la droite. Moi sur la droite. C'est par... Oh merde, c'est par là. Le pont. Il y a cette crash là, on peut engager aussi. Ah bah fallait bien ça. Donc ouais bah en fait soit on peut passer là. Je suis bon, j'ai raté, je vais passer là, ça devrait le faire. J'ai pas vu que c'était aussi mou. Et sinon le vrai passage il est là. Là et là. On va faire ça. Bon on va essayer de se dépêtrer de là-dedans. On croirait pas mais en arrondi il y a quand même des coins où il y a un tout petit peu de pente quand même. Bon on va essayer de pas faire le blond cette fois. À gauche. Yo! Voilà! Hop! On arrive pour le plus sensé! Voilà, je tombe pause. On repart à gauche. Une fois qu'on arrive en bas, une grosse montée. Vous voyez, hein? Et c'est là. Voilà, il y a beaucoup de dévers, là, c'est intéressant. En plus, c'est sec. Ça glisse en chouille. C'est pas très bien de trop bien avant. Bon là j'ai peut-être fait des petits cuts, hein, je vous avoue. En même temps, je ne l'ai pas encore bien la piste. Ah, il y a des orties. On voit rien. Ah ça pique. Et voilà. Et après, bah. Hein, nono, galérien, tu remontes tout ça. Hein. C'est parti. Bon, il n'y a pas qu'une partie route, hein, bien évidemment. J'ai une petite à la route et là, voilà, ça grimpe jusqu'au sommet. Oh le backlife, oh le backlife, oh le backlife, oh le backlife, oh putain backlife. Bon là on va reprendre le même début de piste, on va essayer de faire une petite variante freeride. Ah j'adore ce point. Et... Rose. Yo, de là. Et là on peut repartir. Et pas moi. Bah, je suis un petit peu tout seul les gars, alors bon, pas envie de me fumer avant de partir en vacances. Bon là je vais vous emmener, en fait c'est une autre trage aussi de cette piste là, donc bah tout ce début là je vous fume pas, hein. Vous connaissez. Et une autre partie avec un saut mais qui est délabré, donc je pense qu'on va peut-être pas le faire parce que ça craint un peu du boulot. Voilà, à partir de là, à gauche. C'est là, il y a un jump mais il est un peu délabré. Et voilà. Et là on arrive sur le petit chemin qui sort la noisette. Pareil, une autre trage aussi sur cette même piste. Vous allez voir, j'ai bifurqué sur la droite. Et ça rejoint la piste avec les grosses bosses. Quand même fou ce spot, c'est toujours un truc sympa. Là comme j'ai dit à gauche. On tourne à droite. Ah dans le désert. C'est un truc. Showtime. Je pense que c'est chaud. Ah Bon attends. J'ai fait ma merguez. Bon cette fois-ci on l'a refait mais mon merguez. Je pars pas de tout en haut derrière, ça sert à rien de toute façon, le début vous connaissez. Les freins cette fois. On va chercher. Oh là, yes. Ah là, là c'est un peu mieux. Et ensuite, ça rejoint comme je disais. Les bosses. Ici. Et voilà les amis, je redescends pépouze à l'enduro par l'enduro
plus à droite pour retourner à la bagnole. C'est super cool, tu gardes ta voiture en bas, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, voilà, tu fais des petites boucles comme tu as envie et tu repars à ta voiture en faisant une piste. Pas belle la vie. Droite le blond, droite le blond. La relance. Tranquille, on va dire. Il faut pas se fumer. Voilà. Et ensuite, on arrive sur le chemin. Eh ouais, je suis à plat. Bah, ça tombe bien que ce soit la dernière. Ah ouais. Pas le game. Il y a un truc qui est cool ici. C'est que tu peux te rafraîchir à l'arrivée. Voilà. Parti. Prochain spot, les Vosges. On est parti pour en chier, copain. Bah ouais. Les copains devant. Ah bah non, il est en chinois, il est en électrique. Ah, les chemins. On fait les petits chemins. Ah, c'est beau. Hein. Ah, le Canada, t'as raison. Le Canada français. Oh. Et j'ai pas l'habitude, c'est plus plat chez moi. Hein. On a retrouvé la maison d'Agrid. Ah, la récompense quand t'arrives là. Voilà, c'est joli, hein. C'est trop beau. Trop stylé. Oh. Ah, ça remonte. Ah. Raté. Mais allez là, faut vous serrer la putain, mec. Vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Ah, je crois qu'il y avait un caillou là. Eh, tu regrimpes. Eh, tu regrimpes. Eh, le camaillon, sinon tu as le droit à une olive. Oh putain, il est en train de fumer. Ouais, mais t'as pas le même droit que quoi. Ah, désolé si je te gêne, attends, je pousse un peu. Ah, mais avant, on se parle de bébé. Vas-y. Vas-y, je stoppe. Ouais, mais c'est de la triche là. Ah ouais, la formigère, la taille du truc. Ah ouais. Moi, je veux aller dans la boue. Nanana. Ouais. Ah, reste avec nous, François. C'est en giro. Ah, on voit plus. Ah, t'aurais pu élaguer, Lucas. Ah, t'es petit, tu passes, mais nous... Oh la vache. Ah, on dit ça a été des... Oh la vache, il y a eu des... Il y a eu des... Du dégâts. Hein? On est où? Attends, je crois que c'est pas la bonne direction. Bon, faux départ. On était parti... Bah, on était parti. On était parti pas au bon endroit. Je pense qu'il aurait fallu tourner avant à gauche. C'est raide? Ok, bon. Et bah nous verrons. Oh oui. Les... Je suis bien là, Lucas. Oh la vache. Oh la vache. Ah, c'est trop bon ça. Putain, l'hiver sur les quais, ça doit slider. C'est ça qui est bon, mais c'est ça qui est dur.
cheval. De trucs de fou. Wow. Ah oui, d'accord, tu veux me faire passer là, toi. Ouais, je t'avoue que là... Oh la vache. D'habitude, c'est quand on monte qu'on prend le porte-le vélo, non? Pour vous donner une image du délire. Les no balls. Ah, j'adore cette expression. Oh, les no balls. D'habitude, c'est no brain, no... Je sais pas quoi, mais là... Allez, barrez-vous. Barrez-vous, qu'on te bime. Oh, c'est du freeride, mon pote. Wouh. Ah yes. Ah, c'est bon ça. C'est bon pour Lucas. Ah ouais, ça me plaît ça. Bon, je t'avoue que là-haut, les rochers, ouais. Les rochers, c'est chaud. C'est vraiment très chaud. Après, la partie là, elle est trop fun. On slide là. Wouhou. Ah, deux singles que je dis. Ça a touché la pédale. Oh. Ah. Et là tu grimpes. Un petit coup de cul comme tu m'as dit. Ah, j'ai rebaptisé l'autre. Par dessus. Ça fera plaisir à Air France. Montage, le petit bouton sympa. Ah oui, ça, j'allais dire t'en chier avec ton gros bazar. Mais non, il y a un bouton pour un... Oh là là, mais c'est magnifique. Le oh, rocher du Chalon. Chalon. Alors il y a quelques petites légendes de Chalon. Ouais. Donc je vais faire les points historiques. Il paraîtrait qu'ici il y a un trésor dedans qui a été caché par je sais plus qui. Et il y a des gens qui ont cherché et qui n'ont jamais trouvé. Deux, il existait un pont. Super. Les gens avaient fait un pont entre le Tainchel et le Chalon. D'accord. Donc voilà, il existait un pont entre les deux. C'était. Et puis, je ne sais plus qui n'a pas été content du géant. Ils ont d'autres géants peut-être ou, ouais. Et la troisième, c'est les couples qui voulaient un enfant qui n'y arrivaient pas, ils venaient ici, ils avaient un enfant. Ok. Voilà. Je ne veux pas Lucie parce que j'ai pas de gosse. Pourtant, tu seras tranquille pour faire le. Ah non, 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 non. Et puis là, t'as encore un beau point de vue, quoi. Ah, c'est R. Ouais, c'est fou. Moi, j'adore ici. Ah, tu slides déjà. De bon, la bonne page. Voilà. Ah merde. Ah bon bah trop tard. Ouais bah au final ça passe à droite aussi hein. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Une pédale. Yo. Ha ha ha!
Ah, je sais pas que t'allais t'arrêter. Ouais, allez. Putain, Lucas, il m'envoie des branches. Ça va? Ça passe mon Lulu! Ça passe mon Lulu! Le freeride! Oh, le drain dans le pentu! Ah, j'ai une branche dans le vélo! Oh, 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 oh. Attention! Oh la vache! Ouais, j'ai des freins qui fument! Wouh! Ouais, c'était trop bon! Oh, la petite rivière en bas.